8 ans après l'installation d'un centre doctoral à l'université Shalom des Bounia, cette deuxième thèse de la province de l'Ituri, produite localement, présentée en séjour avec certains des membres du jury en visioconférence, elle a permis au doctorant Samuel Ezoua de présenter au public les résultats de ses recherches basées sur la théorie des revitalisations des Wallace appliquée dans le domaine exégétique dans sa phase transformation culturelle. Partant de l'hypothèse qu'une lecture attentive du livre de Néhémie chapitre 8 et 9 semble indiquer que Torah paraît avoir une place centrale dans la revitalisation ou la transformation de la communauté juive post-exilique dans le méandre d'un travail de 7 chapitres, l'impétrant a démontré que la revitalisation par la Torah a permis aux hommes, aux femmes et aux enfants tous ensemble de se présenter physiquement et personnellement devant Yahweh sans un seul ordre ni convocation d'un leader humain, comme pour dire que devant Dieu, aucune couche sociale ne devait être exclue si l'on veut un changement profond et durable. En échangeant avec les membres du jury, Samuel Ezoua est arrivé à conclure que puisse l'Église d'Afrique et particulièrement de la RDC apprendre à revenir et à se revitaliser à travers la parole de Dieu, à l'instar de la communauté juive post-exilique, pour espérer reconstruire nos nations sur des bases solides. Car bien que le Congo a une population d'environ 90% de chrétiens, le pays est gangréné par la corruption et toutes sortes d'antivaleurs. Après délibération, le récipiendaire a été proclamé docteur à thèse en théologie avec la mention distinction. Si nous parlons de la Torah, là, ce n'est rien autre chose que la parole de Dieu. Les contextes dans lesquels nous nous retrouvons, les contextes dans lesquels nous vivons, nous ne sommes pas différents des enfants d'Israël vivant cette période. Vous savez que pendant la période d'ennemis, les enfants d'Israël traversaient beaucoup de difficultés. La seule chose qui peut nous donner le souffle, le réveil, que nous appelons la revitalisation, c'est de revenir à la parole de Dieu. Motif de satisfaction du recteur de l'université Shalom de Bounia, le professeur Georges Pirotte Atido. La place pour la formation théologique classique évangélique, comme on le dit, c'est ici à Bounia, à l'université Shalom de Bounia, où la Torah, où la parole de Dieu est au centre. Donc, venez ici, nous demandons à tous ceux qui sont dans le pays et tous ceux qui sont dans d'autres pays francophones de l'Afrique, et même hors du pays, ils peuvent venir. Nous avons des encadreurs qui sont de partout. Vous avez vu, il y avait des Suisses, il y avait des gens de la France, et qui sont là pour encadrer nos étudiants. Et nous pensons que la qualité de la formation que nous donnons et les diplômes que nous produisons, les thèses que nous produisons, en tout cas, ont une valeur internationale. Merci.